et de la base prolongée sont en plein chantier. Les rechargements à niveau pour la banque. Avec force pour mettre fin à problème. C'est que la force des caminants, un mois après le lancement de ces travaux, grâce au financement du gouvernement provincial, car dit-on, un corps sain dans un cette manière, le Kabamba et le Mouabatame gouverneur du Olomami, rendre palpable la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui met au centre le peuple d'abord. Une marche de soutien a été organisée par la population de Zongo dans la province du Sud-Kivu. Ces derniers remercient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'électrification de la ville de Zongo. Regardez. L'électrification de la ville de Zongo, 51 ans après sa création, est un motif de fierté et de soulagement pour ses habitants qui vivaient depuis des décennies dans le noir en face de Bangui, capitale centrafricaine éclairée 24 heures sur 24. C'est ce qui justifie une importante marche de loyauté et de soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers cette action d'envergure, est en train de matérialiser sa vision salvatrice de moderniser de plus en plus cette ville vitrine de la RDC devant la République centrafricaine. Pour avoir concrétisé sa promesse, la population de la ville de Zongo a estimé bon de faire une marche de soutien au président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi. À en croire le maire de Zongo, Michel Siazumbui, qui a organisé cette marche avec le concours de toutes les forces vives de Zongo, l'image de cette partie de la République est en train d'être transformée positivement grâce au leadership du président Félix Tshisekedi, qui mérite le soutien de tous ses administrés. Comme vous le savez, le président de la République était de passage ici lors des inondations de triste mémoire en 2019. Et lors de son passage, il avait 450 MW pour le secteur minier de la province du Lualaba pour la réhabilitation du groupe 27 et 28 du barrage Inga 2. Les responsables des entreprises Glencore et KCC en ont fait part au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, qui bien avant a eu une séance de travail avec le député national Nano Bemba sur l'évaluation des travaux de construction de l'usine de Lemba Imbu. Un reportage de Marie Kalong. L'énergie pour la production minière dans le Lualaba, il en a été question lors de la rencontre du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Mukaleng, avec les responsables de Glencore, DRC et de KCC. En toile de fond, la production de 450 MW à travers la réhabilitation du groupe 27 et 28 de Inga 2. Ce projet a consisté à réhabiliter les infrastructures de transport de l'énergie sur plus ou moins 2000 km entre Inga et Ekolwezi, et ensuite réhabilitation et mise à disposition de 25 MW en silo. Et disons, ce projet a permis de mettre du courant neuf dans le site. Nous avons pu aussi parler de notre projet FRIPT, qui est un projet dans lequel nous sommes en partenariat public-privé pour une production d'environ 450 MW. Le ministre Olivier Mwenze-Mukaleng a manifesté la volonté de soutenir cet ambitieux projet qui permettra à la population locale de bénéficier de 50 MW de cette énergie. Dans un autre registre, 2022 est l'année de réalisation pour le président de la République, l'année du social pour le Premier ministre et l'année du contrôle parlementaire pour le député national. C'est dans cette optique que l'honorable Nano Bemba a franchi les portillons du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Avec le ministre Olivier Mwenze, il était question de se faire une idée sur le projet Lemba Imbu. Voilà pourquoi aujourd'hui à mes côtés la grande société Hyundai, qui exécute aujourd'hui le grand projet phare à Kinshasa, qui est celui de Lemba Imbu. Et aujourd'hui, nous étions avec le ministre de l'Énergie pour faire un état des lieux. Et la seule chose que nous avions noté, c'est qu'il était très réceptif. Et nous avions vite compris que la vision du chef de l'État est en train d'être imprimée. Et cette année, ce projet sera réalisé. L'usine de Lemba Imbu va ainsi améliorer la desserte en eau potable de la partie est de Kinshasa.
Et puis la réunion annuelle ordinaire sur l'adoption et l'approbation du programme de travail et budget annuel pour l'exercice 2022 a eu lieu ce mercredi. C'est le secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques qui a présidé la dite réunion, Grace Maosso, pour le reportage. Construction des 60 centres de santé, construction des 60 écoles primaires, y compris des installations sanitaires de type moderne. Autant de réalisations dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques pour le Grand Kassai. Le comité de pilotage en a validé le rapport d'activité pour l'année 2021. Le PTBA 2022 représente 32 millions. C'est pour parachever les ouvrages non encore achevés, notamment les AEP en milieu rural. Nous avons un suivi à faire par rapport aux entreprises qui ont gagné ces marchés, de manière à ce qu'on atteigne au moins à la fin de cette année 80% des réseaux réalisés et terminer les restes en 2023. Moment indiqué pour le coordonnateur du projet PRISE, Déon Sunzu, de solliciter l'adoption et l'approbation du PTBA 2022 du projet pour répondre aux besoins en eau potable des habitants de Mbujimayi en particulier. Nous allons mener les études géophysiques pour l'ensemble du pays. Cela résorberait un peu le retard pour les travaux ou les marchés qui seront lancés pour les travaux d'adduction d'eau potable en milieu rural. Donc c'est parmi, il y a plusieurs autres expériences qu'on a acquises qui pourront faire que dans la phase 2 du projet PRISE, nous aurons à accélérer et aller plus de l'avant. PRISE est un projet du gouvernement de la RDC œuvrant au sein de l'administration du développement rural financé par la Banque africaine de développement. La Tunisie est disposée à accompagner la République démocratique du Congo dans la protection des personnes vulnérables. L'ambassadeur tunisien l'a réaffirmé lors de l'audience lui accordée par le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga. Motuishai Edith Chala pour le reportage. Plusieurs points ont fait l'objet des échanges entre le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Moutinga, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en RDC, Bouzekri Hermili. Il s'agit notamment de la sempiternelle question de la prise en charge holistique des personnes vivant avec handicap, des personnes âgées ainsi que des enfants de la rue. Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, a saisi cette occasion pour saluer la promptitude avec laquelle la Tunisie s'engage à travailler d'arrache-pied aux côtés du gouvernement de la RDC pour lutter contre la précarité des personnes vulnérables. Le tableau peut paraître un peu reluisant, mais plusieurs efforts sont en train d'être fournis pour trouver des solutions idoines à cette question. Monsieur le ministre, qui veut s'inspirer de l'expérience tunisienne, et nous également, la Tunisie a beaucoup de... veut également s'inspirer de l'expérience de la RDC dans ces domaines-là, donc, parce que la partie congolaise, elle a beaucoup d'institutions qui peut nous être utiles également. Une rencontre qui annonce beaucoup d'autres pour définir un cadre de collaboration entre la RDC et la Tunisie. Le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance de Modeste Moutinga va soutenir la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi en 2023. Le secrétaire général l'a dit au cours d'une déclaration politique. Suivez. Le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, conscient des enjeux politiques dès lors, s'est réuni autour de son autorité morale, son excellence, Monsieur le ministre Modeste Moutinga, pour lever les options politiques à rapport avec la situation politique des leurs. Le PDG croit dur comme fer que depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, la RDC, notre cher et beau pays, a fait un bon avant sur le plan diplomatique et est devenue fréquentable. Le PDG invite la classe politique congolaise dans son ensemble à soutenir les idées innovantes du chef de l'État qui vise être congolais. C'est pourquoi, après avoir analysé et examiné froidement et sans passion la situation politique de l'heure, en RDC, le PDG a décidé à l'unanimité de tous ses membres de soutenir la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême au prochain groupe électoral en 2023 pour matérialiser sa vision et son slogan « Le peuple d'abord ». Enfin, le PDG réaffirme son appartenance à l'Union sacrée
et son soutien indéfectible aux actions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle équipe dirigeante du secrétariat général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, désormais pilotée par Guy Richard Malongo, qui a pris ses fonctions mardi dernier au siège national de l'AFDCA à Kinshasa, sous la supervision de la présidente nationale intérimaire de l'AFDC, Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang. Regardez ce reportage de William Tounakov. Nommé depuis le mois de janvier dernier par le professeur Modeste Mathieu Lufuebo, président national et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, la nouvelle équipe dirigeante du secrétariat national de cette formation politique a pris officiellement ses fonctions au cours d'une traditionnelle cérémonie des remises reprises organisée lundi 8 février 2022 au siège national du regroupement politique AFDCA sous la supervision de Madame Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang, présidente nationale intérimaire de l'AFDCA au nom de l'autorité morale. Professeur Placide Mutabunga, secrétaire général de l'AFDC sortant, élevé actuellement au poste de deuxième vice-président de l'AFDC, a cédé son fauteuil à son successeur Guy Richard Malongo, qu'on appelle affectueusement TGV. Il était entouré des deux de ses adjoints, Philippe Ounji, secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, organisation et implantation du parti, et maître Jean-Claude Poukouta, secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques, ainsi que d'autres hauts cadres du parti. Parmi les missions assignées à ces nouveaux staffs dirigeants du gouvernement central de l'AFDC, ratisser large pour faire hisser cette formation politique à sa place, celle de la première force politique de la majorité parlementaire, par une victoire écrasante à tous les niveaux en faveur de son seul et unique candidat à la présidentielle déjà choisi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à en croire la présidente ad intérim Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang. Dans une déclaration faite à la presse au siège de la commission d'intégrité et médiation électorale, les chefs des confessions religieuses ont appelé le Parlement de finaliser la réforme électorale par l'adoption de la loi électorale, au gouvernement d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Serge Mata pour le reportage. 2022, une année charnière des élections en République démocratique du Congo. Lors de ces brèves communications, les chefs des confessions religieuses se sont réjouis de la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la feuille de route du processus électoral et du calendrier réaménagé des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de certaines provinces du pays. Pour nous, la feuille de route est vraiment la bienvenue. C'est un apaisement. Et d'autant plus que dans cette feuille de route, nous avons épinglé certains éléments qui nous rassurent. Soucieux de la paix et du bien-être de la population, les chefs des confessions religieuses ont salué la programmation des activités de la CENI qui augure la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Les chefs des confessions religieuses notent ce qui suit. La CENI accorde une place de choix à la sensibilisation demeurée parents pauvres lors des processus électoraux de 2011 et 2018. Les chefs des confessions religieuses apprécient également l'intérêt que la CENI accorde à la mise en place des cadres de concertation. Les chefs des confessions religieuses estiment qu'au vu de l'étendue du territoire national et du nombre de parties prenantes, un délai de mois semble être insuffisant. Réunis au sein de leur plateforme, les chefs des confessions religieuses ont également formulé quelques recommandations pertinentes à l'endroit des parties prenantes, notamment la finalisation des réformes électorales, la question des mutualisations du processus de recensement de la population et celle de l'identification des électeurs. Vous le savez, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe avait condamné à mort le soldat de la deuxième classe Franck Kodia, élément de la garde républicaine, pour avoir tiré sur Joseph Toutala, chauffeur du chef spirituel de l'église kimbanguiste, causant plutôt ainsi sa mort. Après le verdict rendu il y a quelques semaines, le corps a finalement été inhumé ce mercredi au cimetière de Mingadi. Un reportage de Chimen Dondo. Assassiné dernièrement en plein exercice de son boulot, Joseph Toutala, chauffeur de messier Kisolo Kele, représentant légal de l'église kimbanguiste El Mankoto, a finalement été enterré. Avec une réquisition du procureur, le corps est sorti à la morgue du cinquantenaire pour les hommages bien mérités. Sur l'explanade de la morgue,
et selon le rite kimbanguiste, la cérémonie funéraire a connu la participation de la famille éplorée, les amis et connaissances et de la communauté kimbanguiste. L'instant de témoignage a permis de rappeler le bienfait de Joseph Toutala et son comportement exemplaire. Dans le plus grande tristesse, le corps a été levé pour l'enterrement au cimetière de Mingadi sur la route du Congo central. Il convient de signaler que la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance a prononcé contre l'assassin de Joseph Toutala à peine de prison à perpétuité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale.